Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire la vidéo que vous avez décidée et c'est donc la vidéo... Alors c'est parti pour les produits terminés. Il n'y en a pas des kilos, douche, cheveux. Ouais, je suis désolée de la luminosité hein, mais bon... Il fait encore nuit très très tôt, puis avec le temps qu'il fait, hein, peu importe le jour où on filme, à quelle heure, il fait noir. Donc j'ai terminé mon parfum Fame de Lady Gaga, voilà j'ai un petit peu les boules, mais je pense pas le racheter celui-ci, même s'il sentait très très bon, hein. Il sent très très fort. Par contre, ce que j'aimais c'était le pchité sur mon écharpe et l'odeur restait extrêmement longtemps, et celui-ci est vraiment super pour ça. Voilà, donc il est terminé. Et je pourrais le racheter mais pas maintenant. Ensuite j'ai terminé une bombe d'eau thermale d'Aven. Donc vous savez, vous connaissez mon amour pour ce produit. Voilà, c'est vrai que je pourrais acheter l'eau thermale, enfin, du brumisateur de grande surface, il n'y a pas de problème. Mais j'aime beaucoup celle-ci de chez Aven. Ensuite j'ai terminé un produit, donc une huile de chez Garnier Ultra Doux. Donc l'huile merveilleuse. Je l'ai enfin terminé aux huiles d'argan et de camélia. Donc, petite surprise, c'est un Tenban. Vous vous rendez compte que ce Tenban date de, je sais plus moi, l'hiver dernier, je crois. L'été dernier, donc voilà. Donc, je l'ai enfin terminé. Je vais me dépêcher parce qu'il n'y a plus de batterie. Voilà, donc je pourrais éventuellement le racheter. Mais j'en ai un petit peu marre. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing sec de chez Baptiste. Le Brit, vous connaissez mon amour pour ce produit. C'est mon amour pour ce produit, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai encore et encore. J'ai terminé un gel douche de chez Dop au parfum Coca-Cola. Il sent bon, il est agréable, il est assez crémeux. Je le rachèterai, oui, je le rachèterai. Par contre, j'aime pas l'odeur une fois qu'il est bien étalé, il a une odeur bizarre en fait. Mais voilà, je pourrais quand même le racheter. J'attends avec impatience les nouveaux. Ensuite, j'ai terminé donc le Flower Party de chez Yves Rocher en édition Summer. J'ai dû l'acheter il y a 2 ans et je l'ai enfin terminé. Il sent tellement bon. J'espère qu'ils vont le ressortir parce que vraiment celui-ci sent tellement bon. S'ils le ressortent, oui, je vais le racheter. En plus de ça, il coûte rien du tout. Me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Ensuite, j'ai terminé le gel douche que j'avais eu dans l'avant-dernière box avec Mélanie, je crois. Le Bourgeois en toute intimité, donc que j'ai beaucoup aimé, ma belle. Vraiment beaucoup, beaucoup. Il sentait très bon, il était très léger. Très, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment agréable à utiliser. En plus, les bouteilles Bourgeois sont toujours assez jolies avec le petit zigouigoui sur le dessus. Et effectivement, je pourrais éventuellement leur acheter. Mais il y a tellement de gel douche à tester que. Voilà. Et en dernier, oui, c'est déjà terminé. Bah oui, mais vous vouliez les produits terminés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai terminé un Garnier Fructis Nutri Repair aux 3 huiles, donc le shampoing que j'adore, que j'aime, que je voilà, que j'idolâtre, je l'aime d'amour, je vais le racheter, je crois. Non, je l'ai pas encore acheté, mais je vais le faire. Voilà, je l'aime énormément. D'ailleurs, c'est une routine capillaire, vous dis, je pense faire bientôt dans le sondage une vidéo routine capillaire. Donc voilà pour ça. Donc les 3 nouvelles vidéos pour le sondage seront un haul, les cadeaux de Noël, et la routine teint quotidienne, on va dire. Oui, la routine teint quotidienne. Donc les filles, eh bien donnez-moi votre envie en commentaire. Mettez-moi vos petits commentaires. J'aime ça, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et en attendant, ça a été très rapide, mais il n'y a plus de batterie. Et puis il n'y avait pas beaucoup de produits. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.